J'en dis toujours, nous avons besoin des investisseurs pour Paul lui. Nous avons besoin des investisseurs pour que jeunesse pour lui travaille à pour lui si on veut travailler à pour lui. À regarder par exemple la commune de Goubin, entend, il y a reproché M. Goubin qu'il n'a pas fait rien à Goubin, il n'a pas fait investisseur à Goubin. Et là, regardez à par lui qui a fait des investisseurs, commencer à venir à par lui, pour pas jeune par lui travail, pour pas monde par lui travail, eh bien, il y aura critiqué pour ça. À quoi songer, avant d'arriver à Mornal, il y a déjà dit, eh bien, à Petit Canal, ailleurs, pas de café. C'est vrai, c'est une communauté propre, mais pas de café évolué. Eh bien, ces gens-là, Victor Hortin et ensemble pour Paul lui, ils ont nettoyé, ils ont mis la commune en équilibre. C'est bien pour demain. C'est bien pour que si moun pour lui, moun pour lui, peut vivre à l'aise à yoa pour lui. C'est pour moun pour lui, construit pour lui. Parce que là où on a une bonne démarche, on ne peut pas freiner en chemin. La commune Paté peut faire des investissements à dans premier mandat. Il est important que dimanche, que nouveauté pour la liste ensemble pour lui, conduite par Victor Hortin. Parce que si ils ont voté contre l'ISLA, c'est qu'on a même voté. Ils ont même en occasion attendre depuis hier soir, on était à Berlin. En théâtre souffleur, au sol à Goguette et à Fauvette, entendent qu'ils ont même dit que si là, il y a en face là, ils occupaient en leur poste électif. Ils sont vieux politiciens. Mais qu'est-ce qu'ils fait pas pour lui? Ils ont même qu'à poser question là, qu'est-ce qu'ils fait pas pour lui? Eh bien, à cadrer ses mains, à tout le monde qui paye voter, aux abstentionnistes, aux dérangés en liste, parce que COVID-19 là a dérangé nous, il y a péché l'homme qui a voté. Eh bien, à Kadio, que dimanche, qui ni COVID, qui pas ni COVID, faut sauver pour lui. Faut sauver pour lui, et paye pas pour lui, à mon agredant. Paye pour lui à moun qui pas dit l'amour en Kayo. Paye pour lui à moun qui a dénigré pour les enfants pour lui. Nous ne pouvons pas parler, on l'a parlé. Tignon l'eau à tête derrière moi. En seul bitan, il y a dimanche, en seul vote, c'est ensemble pour lui, conduit par Victor Hortin. Merci à toi, mon ami Polo, pour cette belle intervention, courte, brève, mais en tout cas, compréhensive. Oui, chaque fois, effectivement, que des orateurs sont derrière ce micro, derrière ce pupitre, dans leurs propos, eh bien, il y a ce mot, l'amour, l'amour, l'amour. Eh bien, l'amour, à penser à côté, il faut tout partout. Et là, vous voyez tout partout, eh bien, pas ni raison que les choses pas avancées. Pas ni raison que nous pas réussi. Et c'est ça nous avons véhiculé. Et nous avons dit, tout le monde qui est en liste là, ça, merci. Parce que là, nous tous dans la même direction là, dans la même cohésion là, nous ne pouvons pas avancer. Tout de suite, je cède le micro à une jeune de notre liste qui, en général, est discrète, mais efficace dans l'ombre. Mais ce soir, elle va nous entretenir une deux minutes, simplement, parce que notre ami Polo a parlé de l'orateur. On n'aura pas beaucoup d'orateurs, mais nous avons l'eau à dire par les orateurs qui sont venus. Donc, je cède la parole à Marina. Ah,
Population de Port-Louis, bonsoir. Mon structure d'accueil, bonsoir. Depuis 2014, je me suis engagée aux côtés de notre tête de liste, M. Hartin, pour faire rayonner Port-Louis. Mais aussi, j'ai dans mes souvenirs d'enfance, quand mon père à l'époque était engagé en politique, très engagé, la tension qui existait à Port-Louis. La tension à cause de ces gens qui sont face à nous. Donc, le 28 juin, je vous dis, votez et faites voter Victor Hartin. Non à la méchanceté. Non à la méchanceté, je vous le dis. Notre liste, Ensemble pour Port-Louis. Des gens remplis d'amour, de volonté, remplis d'amour pour cette commune, pour ces quartiers. Remplis d'amour pour chacun d'entre vous, tous les Port-Louisiens. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, faites le bon choix. Un seul bulletin. Celle de la liste, le bulletin de la liste, Ensemble pour Port-Louis. Conduite par Victor Hartin. Bravo! La jeunesse en action, on a écouté tout à l'heure Thérèse, maintenant Marina. Mais vous savez, ce que j'apprécie, c'est chez ces jeunes, eh bien, filles ou garçons parlent avec leur cœur. Et effectivement, il n'y a pas laissé ce qui était dans les yeux pour les bêtises, la compter contre lui. Et nous avons besoin d'une nouvelle génération d'hommes, de femmes en politique pour redonner confiance eh bien, à la population. Parce que je peux vous dire que cette campagne électorale nous a permis de constater comment les gens ont appréhendent beaucoup de la politique, mais tout simplement parce que en face de nous, eh bien, je peux vous dire qu'il y a un travail mauvais qui est fait et qui fait que, évidemment, la population s'éloigne de la vie politique. Mes chers amis, nous recevons des appels à tout bout de champ de partout en Guadeloupe. Les Guadeloupéens, ils nous supplient, je viens de recevoir un appel, ils nous supplient d'éviter que ces gens-là arrivent à la mairie de Port-Louis. Parce que le face-à-face Guadeloupe première a marqué les esprits. Le face-à-face a marqué les esprits. Et ça, nous devons démontrer aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens que on n'est plus à l'autre époque. Je disais tout à l'heure que Chalus qui a venu raconter un paquet de conneries. Mais dans ce problème-là, c'est que, comme ma part nous a monté en or là souvent, il persuadait que le Nord était le Nord qui a 50 ans. Il ne nous raconter n'importe quoi et aucun bruit. Non, il se trompe et je le dis, on doit tout faire, non seulement pour que notre équipe reste en place et comme hier soir un orateur l'a dit, tout faire pour que nous ayons prochainement la région Guadeloupe des hommes et des femmes qui puissent faire avancer la Guadeloupe. Et nous en avons dans ce pays-là qui alerte beaucoup. Et je prends toujours plaisir à écouter Félix Flemet, que je vous invite, bien sûr, ce soir, à écouter à nouveau, car je peux vous dire que quand il nous parle, il y a de la prédiction dedans. Félix Flemet, secrétaire général du Parti communiste guadeloupéen. Merci. Bonsoir, il se fait déjà une heure tardive. Et je suis vraiment content, heureux de voir tous les Port-Louisiens et Port-Louisiennes debout. C'est bien parce que vous mesurez l'importance de l'enjeu. C'est bien parce que vous avez compris que cette bataille n'est pas une bataille qui concerne Victor Hartin.
ce n'est pas l'affaire de Victor Hortin. C'est un combat politique qui dépasse la commune de Port-Louis, qui est tout simplement aujourd'hui prise en otage. Oui, Port-Louisienne et Port-Louisien, vous êtes otage des ambitions personnelles d'hommes qui, depuis tout le temps, ont nourri le dessein, eh bien, d'être maire. C'est une noble ambition. Lorsqu'on veut être maire, pour être au service de sa population et pour de la faire évoluer avec les idéaux qu'on porte. Mais lorsque on trahit ses propres convictions et qu'on a choisi d'être maire à tout prix, mais surtout à n'importe quel prix, alors on trahit les intérêts de son peuple et de sa population. Et c'est de cela dont il s'agit aujourd'hui à Port-Louis. Souvent, nous oublions de nous référer et de comprendre le cheminement de l'histoire. Donc, on dit, il faut nous garder devant. Oui, il faut garder devant, c'est devant nous aller. Mais si vous passez là en sortie, vous pouvez comprendre qui côté chemin pour vous faire pour aller. Et il faut bien comprendre, et je l'ai dit, l'histoire de Port-Louis, l'histoire du combat politique à Port-Louis est une histoire qui fait honneur à la Guadeloupe. En deux mots, je vais vous rappeler à la jeune génération, pas aux aînés qui sont là et que je regarde avec respect, ceux-là qui nous ont fait grandir, ceux-là qui, grâce à leur combat, à leur lutte, à leur dignité, ont ouvert non seulement au Port-Louisien, mais à l'ensemble de la Guadeloupe et à moi-même qui viens de Déhé, le chemin du combat, le chemin de la dignité, le chemin de l'engagement. Oui, honneur à vous, aînés de Port-Louis. Et quand je vous rends cet honneur, je ne peux pas oublier à quelques pas d'ici, eh bien, qu'on a porté en terre il y a 2-3 jours, une vaillante Port-Louisienne, une camarade que je chérissais et qui m'a toujours chéri, la camarade Ocris, paix à son âme. Et bon voyage, je voulais lui adresser ses sentiments fraternels d'un fils qu'elle a vu grandir et à qui elle a transmis précisément cette fibre militante. Honneur donc à vous, nos aînés, mais honneur et respect aussi à cette jeunesse port-louisienne. J'ai déjà eu l'occasion de saluer madame que j'ai en face de moi, et je viens d'entendre là tout à l'heure une autre jeune, Marina Chico, m'a-t-on... Oui, je l'ai entendue et elle a dit qu'elle descend d'un père militant. C'est bien là où j'en suis. Port-Louis, commune militante. Commune qui a, et Michel Tola le rappelait à juste titre, qui avait pour maire un certain Rousseau Nadir. Rousseau Nadir qui, en 1943, a fait face, en pleine Deuxième Guerre mondiale, a fait face à la gendarmerie qui, sous les ordres de Pétain, dirigé en Guadeloupe par le gouverneur Sorin, entendait réduire à néant l'expression des Port-Louisiens. Eh bien, la vaillante population de Port-Louis s'est mise debout comme un seul homme et comme une seule femme pour faire front. Honneur donc à Rousseau Nadir, auquel a succédé à la tête de la commune de Port-Louis en 1951 un valeureux fils de Port-Louis, Charles Edvige, qui a conduit les destinées de Port-Louis. Et après Charles Edvige est arrivé Jean Barfleur, toujours homme de conviction. Ils n'étaient pas tous d'accord sur les mêmes options, sur les mêmes conceptions, mais ils se respectaient parce qu'ils portaient dans leur conscience l'amour de Port-Louis, mais surtout la défense des intérêts supérieurs des Guadeloupéens. Honneur à Jean Barfleur.
Et puis, après Jean Barfleur, est arrivé un autre grand port louisien, Victor Artin. Ouais. Ça fait quatre maires en 1943 à 2020, pratiquement 76 ans. Ça veut dire que la population de Port-Louis a parfaitement compris et elle s'est inscrite dans une lignée d'hommes verticaux, d'hommes debout, d'hommes qui ne trahissent pas. Alors ce n'est pas aujourd'hui, population de Port-Louis, que vous allez salir cet héritage que vous a transmis et légué des générations et des générations, celles de vos parents qui vous ont éduqué et fait grandir dans la dignité. Jamais un maire de Port-Louis n'a été battu par les Port-Louisiens. Charlotte Vige ne s'est pas représentée. Jean Barfleur est mort. Lui a succédé Victor Artin. La population de Port-Louis va reconduire Victor Artin à la tête de la commune de Port-Louis pour continuer cette lignée, ce combat et cette trame historique qui doit nous mener précisément au bien-être, au mieux-être des Port-Louisiens, mais surtout par au-delà Port-Louis, au mieux-être de la Guadeloupe. Et voilà pourquoi je vous disais que Port-Louis est pris en otage des ambitions personnelles. Ce n'est pas par hasard. Si le président du conseil régional vient ici mentir, vient ici en ne respectant pas son devoir de réserve, lui que vous entendez sur toutes les ondes dire « j'accompagne en panier l'ennemi, en cas de travail pour la Guadeloupe », mais qu'il ose ici à Port-Louis venir faire le contraire, c'est parce qu'il y a des intérêts. Et je vous invite à réfléchir, à vous souvenir qu'il y a quelques mois, au mois d'octobre, ici à Port-Louis, à quelques mètres, quelqu'un est passé vous visiter. Vous comprenez que c'est pour rien. Le premier ministre a quitté Anse Bertrand, il sortait d'Anse Bertrand, il est passé à Port-Louis hein, avant d'aller au Memorial Act. C'est parce que Port-Louis est un enjeu. C'est parce que Port-Louis a des richesses. C'est parce qu'on veut capter ces richesses-là et qu'il s'agit de chasser à la tête de Port-Louis celui qui, avec son équipe, fait front pour préserver les intérêts port-louisiens et les intérêts guadeloupéens. C'est de cela dont il s'agit. Eh bien, c'est ce piège-là qu'il faut dénouer. C'est ce piège-là qu'il faut éventer. Parce que le président du conseil régional, Harry Chalus, eh bien, il siège à la direction de En Marche en France. C'est pas moi qui le dis. Il siège à la direction de En Marche. Et ici, il a comme représentant un fils de Port-Louis, engagé depuis des années et des années dans le combat politique pour l'indépendance de la Guadeloupe. Un combat noble, parce que c'est un droit qu'a tous les peuples. Sauf qu'aujourd'hui, il a déclaré, et ce n'est pas moi qui le dis, il a déclaré il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et qu'aujourd'hui, il est sorti depuis longtemps déjà de son organisation politique et il est devenu En Marche dans l'équipe de Macron. Honte et trahison! Honte et trahison! Pour tout simplement espérer un jour siéger à la tête de la commune de Port-Louis. Alors la réponse, c'est vous qui allez la lui porter dimanche, parce que vous savez que vous avez un maire qui a commencé un travail qu'il doit continuer pour l'honneur, la dignité des Port-Louisiens. Je vous appelle et je vous demande d'accompagner le combat que mène Victor, son équipe, avec vous-même, Port-Louisien, de continuer ce combat-là pour que Port-Louis rayonne à nouveau en Guadeloupe et continue à montrer le chemin des hommes verticaux, debout droit, dans l'intérêt du peuple guadeloupéen,
dans l'intérêt des Port-Louisiens pour permettre un autre devenir aux générations qui viennent. C'est votre responsabilité. Je suis sûr que vous allez l'assumer dimanche 28 et je serai là avec vous. Merci beaucoup. Correct, impeccable, rien à dire. Beau message de Félix Flemin, comme d'habitude. Eh bien, je vous invite, chers Port-Louisiennes, Port-Louisiens, vous qui êtes là, de méditer et surtout, parce que c'est le plus important, que vous puissiez transmettre ce message-là à celles et ceux qui hésitent encore. Sans plus tarder, vu l'heure tardive, je vais laisser la place à celui qui retrouvera le 28 juin prochain, au soir, son fauteuil de maire. J'appelle à cette tribune Victor Hortin, président de l'Assemblée pour lui, maire de la commune de Port-Louis. Merci, merci mes chers amis, merci population de Port-Louis, habitants de la structure d'accueil, habitants de Cocoyer, de Souffleur, recevez mon bonsoir, recevez les salutations de cette équipe de Ensemble pour Port-Louis, plus que jamais décidée à vous servir et à vous accompagner pour les 6 années à venir. C'est pour cela que je vous demande d'être mobilisés dimanche 28 juin 2020, comme vous êtes mobilisés ce soir, de manière à ce que notre victoire soit totale, notre victoire soit parfaite, notre victoire soit brillante dimanche 28 juin, de manière à ce que ces élections municipales et communautaires de juin 2020 fasse date dans l'histoire politique de Port-Louis. Je ne vais pas reprendre les propos de mon ami et camarade Félix Flemin. Parce que la politique, ce n'est pas un jeu, mes chers amis. La politique est affaire de choses sérieuses et d'hommes sérieux. Parce qu'il s'agit de mettre en place une équipe d'hommes et de femmes pour prendre en charge la vie des citoyens pendant 6 ans. Mais un citoyen, vieil, il y a bien qui pourrait manger. Mais vieil, c'est dans divers aspects, divers connotations. Et en cela, je sais, population de Port-Louis, vous allez pouvoir regarder, vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir effectivement constater que l'équipe qui vient devant vous aujourd'hui, c'est une équipe qui a travaillé pour Port-Louis dans tous les domaines. Et en cela, je vous dis, mes chers amis, notre équipe, on n'a pas failli. On est resté dans l'humilité, mais avec la négation, avec la volonté et l'ambition de porter bien haut les couleurs de cette commune-là. Et je vous dirai, notre plus grande fierté, mes chers amis, c'est de pouvoir, en fin de mandature, de voir que nous avons assaini les comptes de Port-Louis. Et au-delà, en réalisant son véritable référendum, c'est un véritable référendum que je vous invite à donner et à lancer et à prendre en compte dans votre choix de dimanche, de faire en sorte que ce référendum vous en dise si oui ou non, j'en veux que Port-Louis aille de l'avant, si oui ou non, j'en veux que Port-Louis aille vers le progrès, aille vers l'amitié, vers l'amour, merci, vers la sérénité et la construction d'une commune au service de ses enfants, face à ceux qui n'ont pas de mépris, face à ceux qui n'ont pas de l'arrogance, face à ceux qui n'ont pas du dénigrement pour nous. Parce que quand on dénigre votre maire, quand on dénigre votre premier magistrat, c'est une façon de vous dire qu'on vous dénigre également, mes chers amis. Alors, dimanche 28 juin, je vous dis, avec mon équipe, avec ceux qui sont avec moi, mais ceux qui sont venus et qui viennent, et c'est une équipe renouvelée, c'est une équipe rénovée, c'est une équipe rajeunie, c'est vous dire qu'on est conscient de l'ampleur de la tâche et en fonction de ça, nous avons mis avec nous les meilleurs fils et filles de Port-Louis pour vous accompagner et construire avec vous, mes chers amis. Et Félix l'a dit,
Cette commune a beaucoup d'atouts. Cette commune a beaucoup de potentialités. Et il ne s'agit que pouvoir trouver les atouts nécessaires, mais aussi les financements nécessaires, les accompagnements nécessaires. Et c'est bien ça que nous avons toujours dit depuis notre arrivée, c'est pouvoir signer un pacte bien sérieux avec tous les partenaires, les chambres consulaires, mais aussi avec l'État, avec les différentes collectivités, avec l'Europe, de manière à ce que tout projet nous mène à bien. On le reconnaît, Félix a dit, cette commune revêt un enjeu national pour l'État français, mais aussi pour nous aussi en Guadeloupe, mes chers amis. Il faut donc comprendre ça. Port-Louis a toujours été un exemple. Et Jodla, face à cet enjeu-là, face à cet enjeu, je crois qu'il va falloir que tout un chacun prenne la mesure de son vote, la mesure de son bulletin, de son arme de combat, mes chers amis. Je sais que vous vous arrêtez des fois à des petites bassesses, vous vous arrêtez des fois à des petits cancans, mais je sais que dans notre camp, dans notre région, dans notre philosophie, mes chers amis, jamais, jamais on ne s'est arrêté à cela. Je vous demanderai de regarder les grands projets, les grandes idées, les grandes ambitions qui nourrissent cette équipe-là pour pouvoir vous prononcer. C'est pour cela, je dis, avec les moyens dont on disposait à l'époque pendant cette mandature, nous avons fait dans le domaine culturel, nous avons fait dans le domaine de l'aménagement, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'aménagement du territoire. Merci, nous avons jeté les jalons, nous avons jeté effectivement les limites pour bien montrer comment nous voulons orienter, aménager et développer notre commune. Et je crois, mes chers amis, quoi qu'on dise, ceux qui sont avec moi, croyez-moi, ce sont des gens, ce sont des amis, ce sont des collègues qui donnent de leur temps, qui donnent de leur sueur, mais surtout qui donnent de leur confiance pour pouvoir faire en sorte qu'avec vous, peuple de Port-Louis, nous ne formons qu'un pour construire et aller de l'avant. Alors dimanche, c'est élection communautaire, c'est élection municipale, et en cela, si je parle d'élection communautaire, parce que nous faisons partie de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, et avec Jean-Luc Bernard, qui est aujourd'hui président de Renord, qui a réglé le problème de l'eau ici à Port-Louis, vous savez pertinemment, quand on est arrivé, c'est 4 km de réseau qu'on a échangé, qu'on a rénové pour améliorer la production, la desserte en eau à Port-Louis. Alors, avec Alexina, qui porte un avis très circonspect sur le problème du transport et bien sûr de toutes les questions qui concernent l'aménagement de ce territoire-là. Bien sûr, avec Yvel Ramassami, nous avons produit ce travail-là. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle équipe, mes chers amis, je vous invite à nous faire confiance. Je vous invite à aller voir vos amis, leur parler, parce que toute vibration là, qu'a voyé par exemple là, c'est pour ça que vous voyez aussi, tout ça qui part là, tout ça qui est absent, tout ça qui manquait, dimanche 15 mars, je partais là, et on a failli effectivement passer à la trappe. C'est vrai qu'il y a eu COVID-19, mais je vous invite, je vous exhorte même, je vous somme, je pourrais même dire, mes chers amis, à aller aux urnes, à aller rassembler, à aller déloger vos amis, pour qu'un bon voix pas manquer. Ne nous arrêtons pas sur les petits propos, ne nous arrêtons pas sur les manquements du maire. Effectivement, personne n'est parfait. Personne n'est parfait dans ce monde ici-bas. Le maire a certainement fait des erreurs, mais qui n'en fait pas? Mais je crois, la chose la plus importante, capitale pour nous, en commune, c'est à partir des budgets, c'est à partir des situations financières, c'est à partir des trésoreries, qu'il y a qu'à vérifier et qu'il y a qu'à bail en note. Et ici, à Port-Louis, mes chers amis, votre équipe municipale, votre maire n'a pas démérité. C'est ce que nous assaini les comptes de Port-Louis. Même si M. Jean-Marie Hubert, même si M. Bernard Cercy, qui c'est des grands cadres de banque, mais il ne veut pas reconnaître effectivement qu'un petit employé aujourd'hui ait pu leur donner des leçons et nous que vous montrez encore dans toute comptabilité, dans toute manière qu'il y a manier chiffre,
on va leur montrer à nouveau, mes chers amis, qu'en politique, dès le départ, fait 4, et nous commenterons que triomphalement, c'est la liste ensemble pour lui qui va remporter cette victoire, mes chers amis. Je peux faire fusion si vous voulez, je peux faire alliance si vous voulez, mais je sais ce qui est la plus importante pour nous, c'est le peuple et son choix. Le choix qu'il va faire d'un secret de sa conscience, ils savent pertinemment qu'à qui bon pour lui, qu'à qui pas bon pour lui. Et Félix Plemer a fait une très belle démonstration tout à l'heure. Si nous gardons cheminement à l'histoire politique à part lui, nous savons pertinemment qui choix pour nous faire et qui chant qu'elle nous doit être votée et qui chant qu'elle la Guadeloupe entière. Croyez-moi, mes amis. Croyez-moi, mes frères et sœurs paulusiens, la Guadeloupe entière a les yeux fixés sur Paul-Louis. Avant, ça vous fait un plaisir, mais c'est tous les jours que je reçois des SMS, c'est tous les jours que je reçois des WhatsApp, des gens qui n'ont pas même connaître mes numéros au moins, à commander, tiens, merci, c'est très gentil de votre part. Mais j'ai pas ce numéro-là dans mon répertoire. Qui êtes-vous? Et vous regardez, mais c'est un tel, c'est un tel. Et je vous assure, c'est pas de la blague, mais c'est vraiment, ça fait toujours chaud au cœur. C'est pour ça que je suis en dehors même de Paul-Louis. C'est une monde qui a prié Dieu. C'est une monde qui a une bonne énergie. C'est une monde qui a une bonne vibration pour nous. Donc, toutes ces bonnes vibrations, ça a été transformé. Toutes les peurs et toutes les réticences de ton pénis. Et, Adon, celle-là, nous commettons nous. Et bien, forcément, naturellement, légitimement, on va pouvoir triompher, mes chers amis. C'est pour cela, je vous ai dit, ni peur, ni crainte, ni doute. Pas monde, pas de paix. Hier, il y a une madame qui criait, moi, il dit, mais il paie, parce qu'elle a dit, non, pas paix. Au contraire, là, on paie aux gens battus. Il faut pas avoir peur. Elles ont toutes qui la bougent, elles ont dit, pas monter dans leur paix. Bougez, tibouin, montez, elles ont du vent. Et que elles ont participé à l'énergie, là, ça. Qu'on ont participé à la vibration, là, ça. Montez et voyez des bonnes énergies dans l'univers. De manière à ce que tout le monde qui a la même fréquence qu'ils ont, tout le monde qui a pensé qu'on ont, eh bien, ils ont constitué un seul élan, un seul groupe, un seul l'unité et ils ont fait en sorte que nous allons rouler bravo dimanche. Mes chers amis, je sais que dans cette campagne-là, c'est le mensonge qui triomphe, mais je n'ai pas besoin de mentir, je ne l'ai jamais fait. Et on peut dire même pour madame, avec tout le respect que j'ai pour mon épouse, pour madame, je n'ai pas dit victoire, je vais mentir, je lui ai toujours dit la vérité. Et aujourd'hui, je continue encore à dire la vérité, mes chers amis. En toute transparence, c'est pour ça que je dis, en papier, pour monde, en bon lieu, en bon circonstance, parce qu'on doit Adam soulier moi, et on dit la conscience tranquille, et on savent qu'en toute transparence, on peut dire ce qu'il en est. Et mes chers amis, je le dis, on a trouvé une situation difficile. On a eu beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, mais à commander tout le monde qui, pour une raison, pour une autre, raison personnelle, quant à soi, il ne voulait pas y voter. Mais on a dit quand même, quand vous voulez vous exprimer, vous devriez prendre en compte tout ça. Mais Victor Arte, à aucun moment, il ne s'est positionné contre pour lui et contre un Paulusien. Pas vous ne pas dire ça. On peut-être pas répondre positivement. Et même si on a dit, mais il a dit tout le monde oui. Mais à aucun moment, il ne peut pas dire, mais il a dit oui. Et il met en danger la vie de la commune de Paul-Louis. À aucun moment, dans tout oui, il a dit oui. À aucun moment, je m'ai mis en danger la vie de la commune, ni l'honneur de la commune de Paul-Louis, mes chers amis. Alors c'est ça qu'il faut tenir compte. Oui, je dis oui parce que j'estime qu'il faut dire oui. Mais quand il ne faut pas aussi le faire, je ne le fais pas. Mais je crois que j'ai souvent, effectivement, accompagné mes amis, accompagné mes administrés, accompagné, effectivement, le Paul-Louisien. Parce que j'ai senti, effectivement, nous vivons une situation difficile, avec une population vraiment en détresse, avec de maigres moyens, et très souvent pour eux, le seul recours, c'est le maire, le seul recours, c'est la mairie, et il faut avoir tout le monde satisfaction. Tout le monde veut une satisfaction. Comment faire face à cela? Comment faire pour donner satisfaction à tout le monde? Eh bien, là où tout le monde, non, sont les nombreux. Là, on dit non, pas conscient qu'après ça, pas conscient de peut-être faire ça. Tout de suite, on crée un ennemi, mes chers amis. Et on y a pas trop loin dès qu'on décide. Parce que mais là, pas répondre à l'aspiration. Et vient l'ennemi juré du maire. Mais je dis, tiens, bon Dieu connaît très bien. Et on va laisser, effectivement, à propre comportement. Mais je sais, pour avoir travaillé,
pour avoir effectivement mené ma barque en toute connaissance de cause. Et avoir fait, comme je le disais tout à l'heure, un débuté en petit qui a sauvé l'honneur de cette équipe-là. Mais si à part de ça, en une idée, ceux d'en face, ils ont déjà vu autant de micros là en nous. Tellement ils ont raconté messages et mensonges. Tellement ils ont dit bêtises. Tellement ils ont méprisé l'équipe Victor Hortin. Si on n'avait pas, mes chers amis, assaini les comptes de la commune de Port-Louis, mais tiens, à part ça, nous ne battons ni pour côté pour nous déplacer pour souffle. Mais heureusement, nous avons bon Dieu. Et je vous dis, tiens, la chambre journal de compte pour nous jusqu'à 2025-2026. Et on l'a fait avant parce qu'elle nous fait preuve de gestion, de bonne gestion, nous fait preuve de rigueur dans la gestion de tous les jours. Et justement, dans les dépenses, nous faisons avec beaucoup de parcimonie. C'est pour cela qu'on est arrivé à ce résultat. Elle a dit merci aux Paulusiens, merci à ceux qui ont contribué par leur impôt, qui ont contribué par leur sagesse, qui ont contribué par leur intelligence à comprendre la politique. Merci à la démonstration, qui ont compris effectivement la posture du maire vis-à-vis de telle ou telle question, tel ou tel projet, tel ou tel sujet. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui font partie de cette communauté d'agglomération, je le dis. Parce que quand on a créé la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, il y a eu des compétences qui ont été transférées à la communauté d'agglo. Et bien sûr, là, regardez par rapport aux dépenses que la communauté d'agglo a fait, notamment sur tout ce qui est les ordures, les déchets, eh bien, c'est compétence à la communauté d'agglo. Mais là, ils ont fait un bilan, là, regardez, effectivement, nous transférer personnel, nous transférer en camion. Et regardez, ça nous a viré bah, yo, comme redevance, comme impôt des Paulisiens. Ils ont dit que 800 000 euros de 2014 à 2019 qu'on aura eu à remettre, à donner à la communauté d'agglo. Mais en bon gestionnaire, en visionnaire que j'ai été, je suis allé voir la présidente, discuter avec elle et elle a accepté le principe qu'elle a soumis à l'Assemblée communautaire qui a voté majoritairement pour effacer Aldoise Lassa en l'aide de nous. Alors c'est une grande victoire pour lui de voir que grâce à la vigilance de votre maire, de cette équipe municipale, eh bien, on a pu effacer cette Aldoise-là, mes chers amis. C'est une réalité, mais c'est une vérité et c'est une très belle chose. Mais en dehors de cela, je vous ai dit qu'il y a eu cette allocation compensatrice. Mais il y a eu la mutualisation des moyens. Si nous mettons communauté d'agglo, c'est pour nous partager effectivement les frais, partager les dépenses. Et effectivement, en termes de tourisme, nous avons effectivement cet bâtiment de l'office du tourisme que nous allons transférer à la communauté d'agglo parce que maintenant, le tourisme, le développement touristique qui appartient à la communauté d'agglo. Et ils ont mis en place ce qu'ils appellent l'OTI. L'OTI, rappelez-moi. L'Office du tourisme intercommunal. Merci, je connaissais, mais effectivement, j'avais un petit trou maintenant. C'était pour me vérifier si je connais Occitania. Mais merci de montrer qu'on a joué. Alors, c'est pour vous dire que là aussi, on avait un agent qu'on a transféré à la communauté d'agglo. Donc, c'est moins de charges que nous avons pour nous. Et en termes informatiques également, en termes d'information, service d'information également, on a transféré toute cette compétence-là à la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Ce qui nous permet d'avoir une plus de largesse et mutualiser effectivement tous ces moyens. Mais pour ça, mes chers amis, faut une vision du territoire, faut une vision du développement, faut une vision de la gestion pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, j'entends des gens parler, palabrer, invectiver, dire des mépris, dire des mensonges. Mais nous, nous sommes dans la pédagogie, nous sommes dans l'éducation, nous sommes dans la formation. Et je veux que chaque soir, quand vous venez à nos conférences, que vous puissiez sortir grandi, que vous puissiez sortir plus fort, plus rassuré, et que vous soyez en capacité d'aller convaincre d'autres réticents, d'autres timorés, d'autres hésitants, que c'est là la bonne parole, c'est là les bonnes actions, c'est là les bons plans, c'est autour de Ensemble pour Port-Louis. Voilà le message, mes chers amis, que je me devais de venir vous apporter de manière à ce qu'elles ont fait choix en toute connaissance de cause. Mais on me l'a dit encore, et je ne voulais jamais me lasser de le dire, mes chers amis. Je sais, j'ai jamais été dans une attitude politicienne.
Je dis toujours que je suis un homme politique, je ne suis pas un politicien. Mais tu demandes, c'est politique qu'on va faire à longueur de journée. À longueur de journée, c'est politique qu'on va faire. Et bien évidemment, c'est Fonchoua Intel, Fonchoua cela. Et je pouvais vous assurer, mes chers amis, si notre pays est à ce stade-là, c'est parce que toujours, Intel doit se mettre pied à la tête à Intel, puis il peut avancer et puis il peut réussir. Et je peux vous assurer, mes chers amis, effectivement, la région ne nous a jamais aidés. La région Guadeloupe, qui est en charge de l'aménagement du territoire, qui est en charge du développement économique, la région Guadeloupe ne nous a jamais aidés. Et quand le président a dit Jodla, il a gargarisé, il a dit qu'il y a une incompétence, c'est ça. Et mais ça, il nie effectivement au conseil régional, qui Jodla a dit plus compétent, et plus référent dans tout domaine. Et vraiment, il est tellement fort. Si fort, si référent, si vraiment capable à trouver solution à tout bitin. Et que c'est un bug super intelligent. Bah, c'est ça, c'est ça, Luska dit. C'est un bug super intelligent. Comment faire qu'un monde pour lui, pas mettre bouger à sa mère. Mais quand il y a un bug comme ça aussi fort, à part qu'au monde pour lui, il faut partir à Bruxelles ou bien à l'ONU pour exercer les compétences. Parce que si fort que ça. Alors, je le dis, on n'a pas besoin de lui, à part lui. Et elle a dit en passant, elle a dit, comme il est si fort, comme il est tellement compétent, tellement référent, comme il est tellement intelligent, des mondes qu'on ne sait pas d'être aussi nombreux, alors on ne sait pas d'être tellement, quand on écoute, effectivement, c'est partisan. Hein? Des mondes comme ça, il doit être une yonne par siècle. Alors, pour nous, elle a dit comme ça, pas la science qu'on aille avant morale, rendez-vous avec les scientifiques, de manière à ce que vous vérifiez, vous gardez, pour voir dans le nom de ça, dans tout organe, Kakini, qui garantit si référent que ça en tout domaine. Apparemment, qui disait lui-même, qui m'a dit ça sur le plateau de Guadeloupe première, il référence, il référence tout bitin. Alors je crois que vraiment, c'est une sommité qui ne devrait pas se trouver à pour lui. Et je dis quand bien même qu'il est là, alors prends ce rendez-vous-là avec la médecine scientifique, de manière à ce que avant Moray, que, après Moray, pardon, qu'il y a aussi, si disait Bougla Savoy, qui Jean organe et constitué, puis il est aussi fort. Alors mes chers amis, je vais encore poursuivre pour vous dire les conséquences d'une telle assemblée, parce que quand on regarde en termes d'aménagement du territoire, en termes effectivement de développement économique, on le dit, cette commune-là a beaucoup d'atouts. Mais nous avons que pour lui, en tant que Charlot, en tant que Jeannot, mais on regarde bien en termes de développement, il est capable, il est possible de faire des choses. Mais nous, commune pour lui, avait-il et maigre ressource qu'elle n'est ni, c'est pas possible de pouvoir le faire. Un tel développement doit être accompagné par une collectivité, on va dire majeure, collectivité en charge de développement, la région et bien sûr la communauté d'Aglo. Et la région qui a eu l'aménagement de cette plage du souffleur, de l'état du projet océan. Depuis nous là, nous attendons comme ça. Nous allons sécuriser, nous allons se demander. Il a dit comment ça pour lui présenter le projet. Alors qu'il a la maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'aménagement de la place du souffleur. Il peut faire merde, mes chers amis. Il a également l'aménagement du fond de mer, du littoral. Il peut faire, je réclame le réverbère, ce qui faisait effectivement le cachet de pour lui, les réverbères de pour lui. A commandé effectivement dans le cadre de l'aménagement de ce fond de mer, de ce boulevard. Et bien sûr, bien sûr, mes chers amis, nous savons pertinemment qu'en termes de développement, nous avons le port de Port-Louis. Tout le monde doit reconnaître que c'est un outil capital en termes de développement, en termes d'aménagement. Et nous voulons effectivement, avoir véritablement un comité de pilotage, où nous retrouvons la région, le département, la communauté d'Aglo, la commune. Merci! Le grand port maritime, de manière à ce que là aussi, nous faisons en sorte qu'on ait un véritable port avec des différentes activités pour permettre à ce que la commune là ça et tout le nord grande terre participer au développement de cette région. Et on sait que c'est le seul côté en Guadeloupe, nous avons un port avec autant
de foncier en arrière-port où nous avons dit que là aussi nous pouvons construire un port à sec. Mais pour ça, c'est avec des investisseurs privés, merci, avec des partenaires institutionnels, que l'État, la région, la communauté d'Aglo. Mais pour cela, mes chers amis, permettez à ce que votre maire, votre serviteur puisse poursuivre son mandat. Et pour cela, il faut que vous alliez voter. Et quand vous votez bien, pas faire pour le monde, parce que pour le monde intimide des autres, on a la victoire, on peut gagner et on doit gagner, mes chers amis. Parce que c'est vous qui décidez, pas laisser pour le monde ta pression en les autres. Parce que je sais, vous avez été nombreux à ne pas vous rendre aux urnes. Tous ces mondes-là, ça, et je sais pertinemment, parce que je connais l'histoire de ma commune, je connais mes concitoyens, je sais, même si on dit que le vote est secret, on sait pertinemment, pour être plongé dans la politique depuis des dizaines et des dizaines d'années, on sait effectivement qui j'en tout le monde qui a voté. Alors je sais que vous êtes nombreux à vouloir voter pour la liste Ensemble pour lui, à être dans l'abstention. Pas d'abstention dimanche 28 juin, on sait le vote, on sait le choix. La liste Ensemble pour lui, pour faire pour lui triompher, elle te dit vive la Guadeloupe, vive pour lui et vive ce peuple paulisien. Merci, M. Hey mais oui, mes amis, c'est de la modestie, c'est l'humilité, c'est le respect avec Victor Hautain et l'équipe Ensemble pour lui. Le 28 juin prochain, la raison du plus fort ne sera pas la meilleure, mais le combat de David et Goliath, eh bien, c'est David qui a gagné parce qu'elle nous savent qu'elle nous tient une force là dans nous, avec tout l'esprit positif qui a possédé nous.